Fait qu'on est à Charlevoix pour le radio de Charlevoix. Super belle gang qui nous reçoit année après année. On va avoir tout un show aujourd'hui, donc je vais bien hâte. Quatre pilotes de feu. Ouais, fait que là, on va aller regarder sur le terrain ce qui se passe parce que j'ai mon équipe qui sont en train d'installer des rampes pendant qu'on fait le pit party ici. Police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have this. Fait qu'on est sur le site, sur la scène de crime. Les rampes sont là, l'atterrissage. On a un nouveau module de triade qui est juste là en bois. Que tu vois Michel Fortin-Mélanger qui va sauter là-dessus. Et ça va être un nouveau stunt qui va sauter sur la rampe d'atterrissage. Fait que ça va être bien cool. Sinon, on a la rampe qui reste à placer, la rampe de décollage. On a la zone VIP qu'on vient d'amener juste là. Et là, le challenge, c'est que disons, on cache du monde présent même. Il faut la déplacer pour avoir du monde sur le toit. Ça, c'est une gracieuseté d'Idéal Cargo. Donc merci d'Idéal Cargo, les remorques. Ça, c'est le boss. C'est le boss du Mille Olam qui est juste là. La mère et le garçon. Ouais. Ouais. Max Diamond, stage manager. C'est lui qui installe tout ça. C'est lui qui fait une job de fou. Donc, ce qui est le challenge. Le challenge aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas zéro pratique. Puis il y a des spectateurs qui sont là qui nous regardent monter et rentrer. Il faut que les gars livrent la grosse marchandise. Là. Ce soir au Rodeo de Charlevoix, le Mille Olam, je pense qu'il a fait la job et là, c'est une des parties les plus importantes dans mon livre à moi, du spectacle, la rencontre des fans. Cheers!